Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Vous le savez, depuis aujourd'hui, on a besoin d'une attestation sur l'honneur pour se déplacer, pour faire les courses, pour aller au travail, et on peut télécharger le document sur ce site ici. Trois possibilités, soit on atteste sur l'honneur sur un papier libre et puis on copie tout ce qu'il faut, ou alors on imprime le document en question, on remplit, on le complète et on le signe, ou alors on peut le présenter depuis sa tablette ou son iPhone. Et quand j'ai voulu compléter le PDF depuis aperçu sur un Mac, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre plus d'un caractère dans la date, donc le jour et le mois. Je vous ai fait donc un nouveau PDF que vous allez pouvoir télécharger, je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous souhaitez utiliser l'attestation directement sans impression, en passant simplement par l'iPhone, donc on va voir comment le faire depuis aperçu sur un Mac. Pour le remplissage du formulaire, c'est pas très compliqué, seul problème, ça va être la signature, donc pour ça, on lance aperçu, on va dans annoter, et on va cliquer sur signature. Ici, j'ai toutes mes signatures, on va créer une nouvelle signature, alors on peut passer directement par le Mac, directement ici, en montrant la signature sur une feuille de papier, ou alors on va dans l'onglet iPhone et iPad, et on va sélectionner le périphérique en question qui va nous permettre de signer. Sur l'iPad, j'ai une page blanche, je n'ai plus qu'à signer avec mon pencil. Ensuite, je valide. Et du côté de mon Mac, je vais avoir ça. Donc là, c'est une autre signature, mais c'est ce qui va se passer sur le Mac. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à valider et ma signature est prête. Je clique sur ma signature. Alors là, bon, j'ai cliqué deux fois, donc j'ai deux signatures, effectivement. Donc je vais en supprimer une. Mais voilà, donc j'ai bien ma signature ici que je vais pouvoir très facilement redimensionner. Je vous en parlais en début de vidéo, sur le PDF que j'ai testé, en fait, j'arrivais pas à mettre plus de deux chiffres dans le jour, donc quand on est le 17, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai refait un PDF, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, et regardez, là, j'arrive à écrire normalement la date. Voilà pour ce petit rappel de comment ajouter la signature dans Aperçu. Évidemment, si vous utilisez la webcam et du papier, bah, c'est encore plus simple. Voilà pour cette vidéo, et puis bah, si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à regarder des vidéos Amazing Mac TV. À très bientôt.